Jasage de jeux de rôle on the go. Une vidéo réponse à coup critique, oui. La question c'est. Excusez, je viens de la lire avant de peser sur le gaz, je dois oublier. Je suis de même. Ok, c'est par rapport à quelles sont les œuvres qui nous inspirent ces temps-ci. Bon, c'est sûr que moi, ces temps-ci, je suis genre inspiré par le film Labyrinthe, parce que je m'en vais dans une game de Labyrinthe. Mon deuxième choix, ça serait probablement Fallout, parce que là, je suis à fond dans Fallout 4. Ça fait trois bonhommes que je refais. Ça, je me suis fait juger chez nous. La folle, puis sa fille, là, il jugeait parce que je refaisais des bonhommes. Hey, j'ai mal parti, j'ai le droit de me refaire un autre bonhomme puis de le partir mieux. Puis après ça, j'en ai fait un autre parce que je voulais repartir mieux, tu sais. Tu sais, au début, quand tu commences un jeu, là, tu sais pas tout. Fait que là, t'apprends tes erreurs. Fait que là, je monte pas haut niveau. Là, j'étais genre rendu mon plus haut, t'es niveau 12 quand j'ai dit. M'a recommencé un, le faire vraiment al dente. Là, je suis fier de ce que j'ai, ok? Fait que ça m'inspire beaucoup, Fallout. Puis, ma troisième inspiration. Mettons là que. Ben en fait, c'est drôle à dire, mais ce qui m'inspire, c'est Donjons et Dragons, deuxième édition. C'est ça qui m'inspire beaucoup ces temps-ci pour le jeu de rôle. T'sais, j'aurais vraiment le goût de refaire une game old school. T'sais, bon, ça s'en vient, là, comme je vous l'ai déjà dit. Je fais Labyrinthe, après ça, je retourne dans la deuxième édition. T'sais. Mais j'écoute beaucoup de vidéos de tout ça, justement, du monde qui parle des vieux modules, puis ça fait de même, puis c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'inspire. J'aime pas ça, jouer des héros et des super-héros au niveau 1. C'est pas... Bon, de base, je suis pas un gars qui tripe sur les héros et les super-héros. Tu sais, je les ai vus, les films de Marvel. Mais moi, je le connais pas, le MCU au complet. Je sais pas qui est allé où, puis quand. Puis si tu me disais qui ton super-héros préféré, j'en ai pas vraiment. Je trouve cool, là, je trouve bien. Là, j'en ai pas particulièrement. Tu sais, je peux même pas te le dire. J'essaie de me dire, ah, lui, il est cool, mais non, c'est comme un ensemble. C'est comme un. Je te dirais que, tu sais, comme mettons les Guardians of the Galaxy, c'est comme un sushi. Tu sais, c'est comme le tout qui fait que c'est bon. Tu sais, c'est juste un. Tu sais, le Star-Lord, là, je l'aime pas. Je le trouve poche. Mais avec la gang, ça fait quelque chose de pas pire. Tu sais, mais regarde, c'est moi, tu sais. Mais mettons là que fallait que je parte de quoi par moi-même. Puis je dis, je m'inspire d'une œuvre, puis je crée une aventure. C'est sûr que ça serait Fallout ces temps-ci, présentement. Tu sais, moi, je suis un gars fini de médiéval fantastique. J'adore ça. C'est ce qui a forgé ma jeunesse. Puis c'est un peu ça que je veux inculquer à mes enfants. On dirait que c'est ça que je veux qu'eux autres aussi ils partent. Je veux qu'ils essayent ça en commençant. Le jus de un demi-citron. Chose. Mais après ça, ils feront ce qu'ils veulent. Mais c'est vraiment comme le premier jeu que j'aurais le goût qu'ils essayent. Puis ben même si c'est ça, Medieval Fantastique, présentement, pas ce tapot. C'est comme une révélation pour moi parce que j'en ai jamais vraiment joué du post-apo, tu sais. Je m'étais préparé mentalement à me dire, je vais me faire une game à la Walking Dead, là, avec des zombies pis tout, pis ça s'est jamais concrétisé, malheureusement. Mais ça reste un univers que j'aimerais ça, tu sais. J'aimerais créer une campagne à la Walking Dead, même si je serais 5 ans en retard, ça me dérange pas. Fait que, ouais, c'est ça mon univers ces temps-ci. Je suis dans le post-apo post-nucléaire.